Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Zelda Tears of the Kingdom. Ouais, ça y est, depuis le temps, je tourne enfin la suite. Après la fin de Resident Evil, et ben on va essayer de faire un petit peu de Zelda. Donc comme d'habitude, je ne change pas les habitudes. Je tournerai le let's play quand j'ai la motivation, quand j'ai envie, quand j'ai le temps, quand j'ai machin. Et sinon, entre, ce sera du Sims ou peut-être le début de Resident Evil 2. Je verrai, donc let's go. On s'est arrêté la dernière fois au début du désert Gerudo. On est arrivé au temple, enfin, c'est pas au temple, on avait retrouvé les filles Gerudo, on va appeler ça comme ça. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu, mais je me souvenais que j'en étais ici. Donc, est-ce qu'on va galérer? Est-ce que je vais galérer? Oui, je vais galérer. Donc là, il me semble que je devais aller retrouver, je sais même plus comment elle s'appelle. Alors, Riju. Non mais regarde les. Mais venez pas vers moi si vous voulez être caché! Non mais. Oh, c'est cucu. Elles me suivent en plus, c'est ça le pire. Très chiant. Eh, c'est tout. C'est très grand chez vous là, les girls. Déjà, je vais perdre un temps fou à retrouver Riju. Because je suis perdue dans ce truc. Ok, donc je pense qu'il fallait aller par là. Oh putain. Oh, excusez-moi, mais j'ai des petits soucis de Joy-Con Drift. Donc c'est-à-dire que mon perso, des fois, il va avancer tout seul alors que je ne lui demande pas l'action d'avancer tout seul. On recommence. Ah bah je pouvais juste faire comme ça, bon on va faire ça, hop. Je pensais qu'il fallait que je me mette tout au bout et tout, bon bah écoutez, je suis remontée. Moi c'est tout ce que je voulais. Des flèches, ok. Rien du tout. Rien du tout. Il y a un truc là-bas. Ok. Ça va être chaud aller là-bas. Oh. Kizako. Ça, c'est long à utiliser. Ah, là, il y a ça. Ouais. Il y a des trucs. Ouh. Est-ce que je peux faire? Oh. Ok. De justesse. Par contre, le truc de lumière, là, ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup. Oh, bon Dieu. J'avais oublié à quel point j'étais nulle sur ce jeu et qu'à tout moment, je pouvais clamser. C'est vrai. Ah! Alors attendez. Avant de clamser, est-ce que j'ai encore un peu de bouffe? Oh oui, j'ai des préparations anti-froid. Bah, vu qu'on est plus du tout dans un truc de froid là. Et hop là, on va pas essayer de les tuer. Hein. Ok. Ok. Alors. Nous revoilà dehors. Et il y a Riju qui est juste là. Voilà, bah là, Link avançait tout seul. Hein. Bah cool! Je m'attendais à ce qu'il faille faire quelque chose, genre une énigme ou je sais pas quoi, mais pas du tout. À côté. Si je ne m'améliore pas, je ne pourrai pas protéger mon peuple. Hein? Link? Ça pour une surprise. Tu es toujours là où on ne t'attend pas.
Cela dit, j'avoue que tu n'aurais pas pu mieux tomber. Oh. Le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs et la princesse Zelda a disparu. Et si tu es venu, c'est dans l'espoir de découvrir ce qui lui est arrivé, j'imagine. Je compatis très sincèrement, Link. J'ai beaucoup d'amitié pour la princesse, moi aussi, et je t'aiderai de mon mieux. Mais d'abord, il faut résoudre au plus vite le problème des Gerudo. Cela n'a pas dû être facile d'arriver jusqu'ici. Cette brume de sable s'est répandue sur la région au moment même où le château d'Hyrule s'est élevé dans les airs. En un instant, elle s'est infiltrée partout, jusque dans la cité. Apportant avec elle des nuées de monstres étranges, des Gibdos, comme nous les appelons. Ils se déplacent lentement, mais ils sont peu sensibles aux attaques physiques. Nous l'avons appris à nos dépens. Ah, au mien aussi. Est-ce que tu m'as vu m'entraîner? Mon but, c'est de réussir à frapper ce mannequin avec ma foudre. Je pense qu'elle pourrait être efficace contre les Gibdos. Désolée, j'ai du mal à lire. Je bug. Mais hélas, il me reste des progrès à faire pour maîtriser cette technique. Je ne vise pas encore aussi bien qu'il le faudrait. Je dois pourtant y parvenir au plus vite si nous voulons être en mesure de faire face aux Gibdos. Et il faut à tout prix découvrir l'origine de la brume de sable. Ensuite, je te prêterai main forte pour retrouver Zelda. En attendant, tu veux bien m'aider à m'entraîner? Essaye de tirer une flèche sur le mannequin et elle me servira à canaliser ma foudre. Ok. Moi qui ne sais pas viser, ça va être... Ça va être sympatoche. Ah, comme ça. Ok. Très bien, c'est drôlement efficace. Ouh, on continue, tu veux bien? Je t'aime en nul. Alors, oh là là. Ok, essaye de toucher les trois mannequins et nous verrons si nous arrivons à les électrocuter en même temps. Alors là. Pour ça, plutôt que de les cibler individuellement, il vaut mieux viser au centre des trois mannequins, là où ce rocher sort de la terre. Ok. Mais juste une chose, plus la cible est éloignée, plus j'ai besoin de temps pour préparer ma foudre, ne l'oublie pas. Ah oui. Merde. Très bien. Je commence à prendre le coup de main. Ok. Ça nous sera très utile contre les Gibdos. Nous les battrons bien plus facilement désormais. Merci beaucoup pour ton aide, Link. Oh mais de rien, ma petite dame. Tu as entendu? Ce n'était pas le bruit de la brume de sable. D'où ça venait à ton avis? Un message urgent. Une troupe entière de Gibdos marche sur le bazar à sec. Bétera est déjà en route pour assurer la défense. Bétera? Très bien, je te remercie. Nous devons nous rendre au bazar à sec sans perdre une seconde, Link. Je suis désolée de t'entraîner dans ce combat, mais j'ai vraiment besoin de toi. Tu sais où se trouve le bazar, n'est-ce pas? C'est l'oasis située au nord-est de la cité Gerudo. Il est temps de montrer aux Gibdos le résultat de nos efforts. Oh yeah, j'ai encore pas de 15 ans avant d'y arriver, moi, là-bas. Alors, est-ce que je peux me TP? Il faut que j'aille là. Je peux me TP! Par contre, je sais pas si je peux me TP à la cité Gerudo. Aurais-je fait une bêtise? Ne laissez pas les Gibdos s'approcher. Ah, si ça continue comme ça. Désolée de vous avoir fait attendre. Nous allons les anéantir jusqu'au dernier. Putain, mais j'arrive pas à parler. Allons-y, suivez-moi. Link, je compte sur toi. Oh my goodness, non mais... compte sur moi pour protéger notre chef et anéantir ces monstres. Alors, elle se barre où, elle? Ok. J'aimerais bien qu'on essaie de détruire les nids là, ma petite dame, si tu es d'accord. Voilà.
Ici. Ok. Ok, ok, ça va le faire. On va tirer ici. Voilà. Toi, t'es pas capote? Ok. S'il y a d'autres nids qu'on pourrait détruire, ma petite dame. Non, il n'y a pas d'autres nids. Bon, bah, allez, go. J'ai pas énormément de... Ok. Ok. Ah bah ça va, je m'attendais à plus, moi. Bétera, heureusement que tu étais là pour les tenir en respect jusqu'à notre arrivée. Les Gibdo craignent l'électricité, nous en sommes sûrs désormais. Nous en tirerons le meilleur parti. Hein? Zelda? Impossible! Qu'est-ce que... La cité Gerudo est en danger! Qu'est-ce qui a provoqué ces tornades autour de la cité? Et pourquoi Zelda marchait-elle dans cette direction? Bétera, nous rentrons immédiatement. Link, Bétera et moi partons devant. Nous t'attendrons à la cité. Oh my god, il faut toujours face. Bon. Eh ben, let's go. On va remonter là-haut, là. Heureusement que le montage existe. Hein. Bon, faut que j'aille là-bas. Ok. Et là, je suis arrivée juste devant. Ok, le jeu est en train de me dire que là, tu avais un accès qui menait là. Genre vraiment? Bon, Link va prendre des dégâts, mais Balek. Ok, c'est bon. En fait, j'essaie... Enfin, je tombais dans la crevasse et en fait, j'avais pas vu que... Je pouvais contourner. Ok, allez, let's go. Oh, elle est là. Regarde, Link. C'est un nid de Gibdos, comme celui du bazar à sec. Il est apparu tout à l'heure, en même temps que les tornades. Mais ce n'est pas tout. Il y en a deux autres, un devant chacune des portes de la cité. J'en conclus que les Gibdos ont l'intention de lancer une attaque coordonnée pour nous submerger. Il ne servirait à rien d'attaquer les nids pour l'instant, ils sont invulnérables en mode défensif. Mais quand ils s'ouvrent pour essaimer, oui, des Gibdos, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et les Gibdos vont venir, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous devons être prêts à saisir notre chance. Oh ? Viens. Viens. Rejoins-moi. Encore cette voix? Tu l'as entendue toi aussi? Rejoins-moi.
Est-ce que c'est moi qui l'appelle? Chef, Link, un problème? Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur la situation présente et protéger la cité des Gibdos. Préparons-nous au combat. Décidément, nous sommes la proie d'événements bien étranges. L'apparition des Gibdos et de leur nid, Zelda, que nous avons aperçue au bazar à sec, mais dont rien n'indique qu'elle soit passée à la cité Gerudo. J'ai le sentiment que tout est lié et que quelque chose se trame, mais pour l'heure, nous devons préparer la bataille. Je suis désolée, Link, mais nous allons avoir besoin de ton aide. Adresse-toi à Bettera et aux soldats pour nous aider à établir un plan de défense. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Que faut-il préparer? Va parler à la capitaine Sheriza. Je voudrais que tu vois avec elle comment déployer nos troupes. Dans la cour, tu trouveras Pavrou. C'est elle qui est responsable de l'équipement. Elle a de quoi renforcer nos défenses. Si tu as besoin de quoi que ce soit, adresse-toi à elle. As-tu des questions au sujet des préparatifs? Parle-moi des monstres. Les Gibdos, ceux que nous avons combattus dans le désert, résistent aux tranchants des armes. La foudre de Riju et les feux semblent être vraiment efficaces. Par contre, plutôt que de miser sur la force brute, nous ferions bien de tirer parti de ses faiblesses. Peut-être en ont-ils d'autres. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais qu'il est possible de les vaincre, alors ne perdons pas espoir. Ok, donc on va se focus sur les techniques de feu et de foudre. Ok, c'est parfait. Alors, déjà, allons voir cette madame. C'est elle, ok. Maintenant que la cité est encerclée par des nids de monstres, nous n'avons plus le choix. Nous allons devoir nous battre. Pourrais-tu m'aider à établir une stratégie de déploiement pour nos groupes? J'hésite entre les disperser toutes sur le front ou constituer une réserve de force à dépêcher sur les zones affaiblies. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pays l'artillerie. Artillerie? Ouais. Ah oui. Très bien, cette unité est maintenant passée à l'entrée nord. Voilà, Link avance tout seul. Merci. Pas trop d'idées, je sais pas si ça joue énormément ou si peu importe, dans tous les cas, c'est bien. De toute façon, ça sert à rien d'avoir des armes, ils résistent aux armes là. J'ai réuni quelques objets qui pourraient servir pendant la bataille. N'hésite pas à prendre ce dont tu as besoin. Et si tu acceptes de me confier cette tâche, je m'occuperai aussi de barricader l'une des portes de la cité. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai principalement des armes et des matériaux pour les renforcer, mais aussi de quoi manger et même un peu d'argent. J'ai aussi mis là quelques capsules que des soldats ont trouvées lors de leur patrouille, ça pourrait peut-être servir. Si jamais tu te retrouves à court d'arc et de flèches pendant le combat, viens me voir et je t'en donnerai d'autres. Barricade une porte. Hein. Alors, la cité compte trois portes. Vue du palais, la porte nord est en face, la porte ouest à gauche, la porte est à droite. On peut boucher une des portes avec du bois et... la porte nord, il y a les artilleries. On peut faire ça au pire. Hein, J'ai oublié... J'espère que c'est bien à l'est où il y avait un autre nid. Je vais prendre les melons glagla. Ça, c'est des bananes. Ces fruits originaires des forêts tropicales de Firon cachent sur leur épaisse peau une chair tendre qui renforce les muscles et une fois qu'utilisée, augmente l'attaque. C'est bien, mais il y a plein de trucs qu'on peut servir pour le combat final. Alors, un miroir, l'éloigne les monstres. Là, c'est quoi? C'est un pieu. Ok. Et là, c'est un lance-flamme. Ça, c'est très intéressant, le lance-flamme. Est-ce que là, je peux essayer de les empoigner pour les faire tomber? Des flèches, très bien. Je défonce tout. Sorry, merde. Sorry, madame. Ok, j'ai récupéré quelques flèches, ça c'est cool. Ah ouais, mais il y a plein de trucs. Bon, après, il y a peut-être des trucs que j'ai pas le droit de prendre, mais. Fruit du feu, ça c'est bien. Fruit du feu. Fruit de la foudre, ça non? Fruit de la foudre. Ça, je peux m'en servir sur les ennemis. Des flèches. Je pique tout. Oh, l'arc, il est beau. L'arc Gerudo. Très bien. Par contre, ça, c'est moins bien.
Ça a l'air lourd. Moi, j'ouvre tout, hein. Elle m'interdit pas, donc... Ouh, ça, c'est bien. Une corne de hoquet. L'utiliser dans un remède ou pour une arme. Et là, j'ai encore pas assez pour résister au... un petit peu à la chaleur, hein. On remonte. Et on va déjà se débrouiller avec ce qu'on a là. Je pensais plus galérer au niveau des touches, mais ça va, je suis fidèle à moi-même. As-tu des questions? Pas pour le moment. Arrête, Angélique. Ok, les préparatifs pour la bataille sont terminés. Ouais, c'est un peu catastrophique, mais bon. Link. Cette voix, j'imagine qu'elle t'intrigue toi aussi. Moi j'entends rien donc... Link il n'entend rien. Moi j'aimerais bien aller détruire ces trucs là en premier, voyez-vous. Chef, Brick, au rapport, une armée de Gibdos converge vers la cité. On en parlera plus tard, d'abord on s'occupe d'eux. Je sais pas si c'est à l'est ou à l'ouest. Oh ben n'importe où. Comme ça. 4, rien que ça. Eh bah. Bétera, s'ils nous encerclent, c'est la fin. N'ayez crainte. Puisqu'ils nous attaquent, nous saisirons cette chance. Nous les détruirons tous et leur nid avec eux. Nous allons leur montrer ce qu'il en coûte de provoquer la colère des Gerudo. Avec joie. Soldats, Link, ensemble, nous protégerons notre chef et nous défendrons la cité. Alors, moi, j'aimerais bien... La cité est encerclée. Il faut sécuriser les portes. Si c'est possible d'aller attaquer ça. Des monstres viennent de sortir du nid de la porte est. Il faut les éliminer. Merde. Est-ce que je peux... Ah mais je peux pas, elle est trop loin. En voilà d'autres, au nid de la porte nord. Ils ne doivent pas entrer dans la cité. Ouais mais j'aimerais bien que tu détruises ça ma petite dame. Ah bah voilà. Parfait, c'est juste moi qui suis nulle. En plus là je vois que je n'ai plus d'arc. Donc on va équiper celui-là, il est beau. Alors oh, faut que je... Ah oui d'accord. Alors. Ah ouais, mais c'est quoi ce truc là? Hop, je vais essayer de me rapprocher sans me faire choper par les ennemis. Ok. Revoilà des monstres volants. Ils arrivent par la porte ouest. Ma foudre les abattra. Encore un nid en moins. Ok, c'est bon. Je laisse les filles s'en dépatouiller. Vraiment, mon focus, c'est vraiment ces trucs-là. Est-ce que je peux essayer de monter pour que ce soit plus simple? Il faut détruire les nids si nous voulons les arrêter. Yes, c'est ce que je fais, Riju. J'essaye de passer par là. Hop. Ok. Allez. Recharge, recharge. J'ai l'impression qu'il n'est pas actif. Merde. Bon, je vais essayer d'attaquer cela. Un peu plus, je suis en train de... Ah, c'est trop dur. Je peux y arriver, mais en plus je crame. Ok. Il ne reste plus qu'à éliminer les Gibdos de la cité. Ça va, le... Ok. C'est quoi? Ok. Ouh! Je cuis. Est-ce que par là? Que je défonce. Je fais des flashs. Qui sont les autres? Où sont les autres ennemis? Ah, il y en a un là-bas. Je vais essayer de viser.
Ok. C'est bon ? C'est bon. C'était nul. J'ai mal géré. J'ai réussi, on s'en fout. Link, je te remercie d'avoir combattu à nos côtés. C'est tout le peuple Gerudo qui t'en est reconnaissant. Maintenant que les nids qui encerclaient la cité ont été éliminés, les Gibdos ne devraient plus être une menace. As-tu toi aussi remarqué que les nids se désagrégeaient en sable quand ils étaient détruits? Il doit y avoir un lien entre les Gibdos et le sable. La brume de sable pourrait être à l'origine de leurs attaques. Ou bien, ils sont responsables de cette brume de sable. Difficile d'en avoir la certitude. Et ce n'est pas tout. Je me pose aussi des questions sur cette voix mystérieuse. Cette voix, la foudre, maintenant que j'y pense. Link, je veux te montrer quelque chose. Peux-tu me rejoindre devant la fresque de la grande salle dans la cité souterraine? Oui, madame. Avec mon trois quarts de cœur. J'arrive. Là, faut que je descende. J'aime trop. Si j'aimais mon corps, je l'aurais fait en cosplay. Mais vu que j'aime pas mon corps, bah voilà, je l'ai pas fait. Alors. Ah, Link, te voilà. Regarde un peu la peinture sur ce mur. Les ancêtres des Gerudo auraient peint cette fresque. Il semblerait que la cité souterraine servait déjà d'abri à l'époque. Peut-être les Gerudo les Gerudo d'alors faisaient-elles aussi face à une terrible menace? Il y est écrit « Dos au trône, des piliers rouges se dressent dans la vaste mer. Quand la lumière formera un triangle, la pierre de foudre apparaîtra et ouvrira le chemin. Toi qui entends ma voix, viens auprès de moi. » J'ai pas tout lu, j'appuie sur A. « Quand cette voix mystérieuse s'est adressée à nous... » Oui, j'appuie sur A, oui. « J'ai immédiatement pensé à cette fresque. » Elle semble représenter un endroit. L'inscription serait alors une énigme révélant le chemin pour s'y rendre. Bah, je pense que c'est ce que j'ai vu en bas, là, avec le truc qu'on pouvait péter. Je ne vois que ça comme explication. Je vais encore galérer. Donc là, en fait, il faut que je résolve l'énigme. C'est ça que tu es en train de me dire. Mais moi, il me semble que j'avais vu un truc quand j'étais descendue tout en bas. À moins qu'il faut que je reparle. Je vais reparler à Ridjo pour voir. Il est écrit... Ouais, donc... Faut que je retourne après quand j'aurais vu... Avec cette brume de sable, difficile d'explorer le désert Gerudo si seulement nous pouvions voler comme les piafs. Mais tu sais que... J'ai le pouvoir d'un piaf, là. J'ai le pouvoir du best of the best, Babil. Bon, on va remonter. Est-ce que je peux remonter? Ouais, je crois que je peux passer comme je veux, non? Oh putain, faut que je lui parle à chaque fois. Je préfère revoir vite fait là-haut. Là, il y a les piliers. Enfin, non, pas vraiment. Dos au trône. Ok. Ça se trouve... Ah oui, d'accord. Bon. Par contre... Arrête d'avancer, Link! Ah, mais franchement, ce bug de console, c'est infâme. Donc, est-ce que je peux essayer d'aller au-dessus? Pourquoi je peux pas faire ça ici, c'est nul. Essayer de remonter plus haut. Il y a un caillou qui est tombé. Est-ce que je peux encore plus monter ou pas? Ah mais j'avais pas le bon truc d'activer depuis tout à l'heure. Oh vous auriez pu me le dire quand même hein. Ça va je blague. Humour. Humour guys. Humour. Je blague. Oh, bonjour toi. Bah écoutez, on va le faire. Comme ça, ça me fera plein de TP. Eh, faut bien que je fasse au moins un sanctuaire dans un rec. Alors, la lumière enfouie. Va falloir faire une musique avec de la lumière. Ça, ça me saoule. Qu'est-ce que je peux prendre? Ok, est-ce que je peux l'empoigner? Ouh! Ok. Et ça, je peux pas genre le mettre... debout. Comment déjà on fait pour... Comme ça. Si je fais comme ça...
Il n'y avait rien, génial. Mais c'était ça. Contente des fois d'avoir des bonnes idées. Ah. Ah, je peux faire comme ça. Vas-y, il n'y avait rien, j'ai le seum. Là, il n'y avait rien. Ça se trouve, il n'y a rien, c'est juste pour les enlever pour... Ok. C'est peut-être la clé. Parce que là, j'ai vu la porte. Petite clé, c'est ça. Let's go. J'ai vu la petite porte, là, donc... Ouvrir. Je l'ai pas vu, ce sanctuaire-là, je le découvre. Après. Putain, il y a un pain là-bas. Est-ce que je peux choisir un petit truc, là, pour lui envoyer à la tronche? Ah, je suis contente. J'ai one shot. Il y en a un autre? Pas d'autre. Ok. Est-ce qu'il faut que je retourne en arrière ou il y a un truc... Ah, il y a un... C'est un miroir, ça. Bram. Ouais, mais... Est-ce que je peux aller récupérer mon truc? Ah ouais, je crois que je peux aller récupérer le ventilo. Hein. Ouais, j'appelle ça le ventilo. Mais ça a une fonction de ventilo, hein, quand on regarde. Ça, on va se mettre bien devant, comme ça on pourra bien le gérer. Ok, là, il n'y a rien. C'est dingue comme il y en a des simples comme des durs de... Oh. Intéressant. On va s'accroupir. Pas besoin de s'accroupir. Voilà, là. Ok. Non, je veux. Let's go. Oh, prêt à pas. Debout. Allez, ça dégage. Et peut-être une bine. Franchement, j'aurais dû des armes pour faire comme ça, moi. Genre ça, là. Je fais ça. Je pense à la sacoche, là. Et moi, je pense à la, c'est stylé. Genre si je... Alors, je vais tirer. Ah ouais, c'est utile, mais ouais, bah, du coup, dès que vous dites ça, je vais le faire. Il y a un truc, là. Mais je te dis, là. Ça, tu prends, tu mets couché, là. Alors, pas couché. Non. Pas couché comme ça, mais genre... C'est bon. Comme ça. Là, tu fais... Comme ça. Là, bah, au pire, on va pas se faire chier pour ici. Ok. Ça ouvre un coffre. Pas forcément ce à quoi je pensais, mais on aura peut-être une surprise dans ce coffre. Une bonne surprise. C'est de la merde. Non, mais pas un coffre. Un coffre nul. Bon. Et ici, il y a un truc à faire avec la lumière. Quelle lumière? Ah, oh, il y a un truc là. Ah, ça va sûrement ouvrir ce passage. Je peux te faire avec toi. Là, il y en a pas. Je viens de faire ici. Il faut forcément faire un truc là. Mais quoi donc? Parce que la mienne, là, j'ai pas de lumière qui arrive dessus. Là, je peux pas monter. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais déjà sortir. Ça fait guérir. Oh, j'ai trouvé, c'est juste... Ah non, attendez. Juste coup, je crois. Voilà. Je vais l'arrêter. Est-ce que je peux? Mettre là. Ah, ça. Ah, ok. Ok. C'est mieux, par contre, du coup, j'ai lancé les flèches. J'en ai fait ça, mais j'ai fait les flèches. Ah, ben voilà. Est-ce que ça, je peux? Ah, je peux pas. Non, ça, je peux pas. Faut que je fasse ça, quand. Ah, je vais faire à chaque fois. Je vais faire pour que ça se... C'est censé se mettre. Comment ça va être écrit, puis là? Oh, mais attends, il y a là, juste avec ça, j'ai oublié, rien. C'est obligé. Ah, voilà, c'est ça, c'est moi. Alors là, faut que je positionne bien. Non, vas-y, mais c'est un sur la... Bon, tout de suite, c'est bon, là, tu vas te mettre toi, voilà. Et là, tu vas mettre, je sais pas, un endroit où tu peux aller là. Non, j'ai pas dit bon. On va aller là-haut.
Mon Link qui est au bout de sa vie doit vous stresser. Je suis désolée. Désolée ou pas d'ailleurs. Ah ouais, mais là, si je vais peut-être essayer de faire un truc. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Alors, je vois que dalle. Oh putain, la caméra. La caméra des enfers! Dégage. Oh my god, j'ai réussi. Oui. Oui. Un cœur en plus. Enfin, un cœur en plus, une lueur, pardon. Excusez-moi. Mais j'ai régène mes cœurs. Ça, c'est bien. Ça, c'est très très bien. Arrête d'avancer. Il me stresse. Ok, c'est quoi cette tour là-bas? Il y a des nids là. Ok. Du coup, c'était où? C'était là, les trucs. Par contre, il y en a... Il y en a un là, arrête d'avancer! Bah, je vais essayer d'y aller avec... voilà. Je suis en train de me dire, tu fais quoi, Babil? Là, j'ai besoin de toi, en fait. Allez, Babil. Allez. Allez, régène-toi. T'es si lent. Ok. Oh, putain, il faut des bombes. Ah, j'ai pas de bombes. J'ai que celle-là que j'ai à moitié bouffée là pour l'autre machin là. Oula. Alors my goodness. Oh my goodness. Ce que j'ai fait ne servait à rien. Là, je vais faire ça. Non, pas ça. Voilà. Je peux pas ici. Let's go. Là, on va essayer d'aller là-bas. Ça va être un peu loin, ça va être compliqué. Ok. Ah, c'est celle-là du coup. Comment que je fais pour la faire sortir de là-dessous, moi? Ok. Est-ce que je peux avoir... J'ai que ça, mais... Pas ouf. Si je vais là-haut, est-ce que j'ai un peu plus de vue sur ce qu'il se passe? Parce qu'elle est enfouie en fait. Parce que moi je sais pas comment la désenfouir, cette madame. Ok. Oh.
développer quelque chose, ça. Bon, alors, je fais pas du bon côté. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'était pas trop du bon côté. Ok. Bah du coup les trois se reflètent comme il faut. Parce qu'en fait j'ai fait... du coup je vais laisser au rec. J'ai fait l'autre tour. Mais du coup ça reflète... Ah non, ça reflète pas comme il faut. Est-ce que je peux monter... Est-ce que je peux monter chez vous? Ah oui, je peux monter chez vous. Allez. Ah, ça me termine. Je vais remonter tout au-dessus, là. Attends, je vais pas remonter en bas, vous allez me dire. Ici. Et on va aller sur la troisième. Que j'ai déjà découvert avant, donc on va y retourner. Oh. Les sanctuaires. Ah, c'est si beau. Et là-bas... En fait, je pense qu'il faut qu'elle elle retourne sur... Oh putain. J'ai pas appuyé sur mon bouton. Il faut qu'elle reflète dans le bon truc, du coup. C'est ce que je pense. C'est trop beau. Enfin, le désert Gerudo, quand il est en plein soleil, il est trop beau. Y a pas de tornade, là, pour m'aider? C'est pas très cool, ça. Voilà ça. T'as les fruits de la faute, c'est bien ça par contre. Bon. Du coup là j'avais chaud. Ok, pas ma foi. Donc. Faut que je fasse quelque chose avec ces bestioles là. Ah mais faut que je les monte. Comment je les monte moi maintenant? Je vois pas là. J'aurais mieux me flinguer. Je pensais pas que ça avait une interaction, ça. Putain. Là, il est assez long. Ah, c'est proche ou pas? Oui. Est-ce que là, je peux le choper depuis ici? Ou il est encore trop long? Il va être trop long ici. Jamais j'aurais trouvé. Jamais.
pas dans quel sens faut tourner. Ok. Ok. Oh, j'ai galéré. Merci le jeu de me rappeler ma mort là. Ça va. On arrive assez proche du truc. Link, tu as vu ça? C'est Zelda. Ah, plus Zelda. Comment? Elle a disparu. J'ai vu que les colonnes rouges émettaient de la lumière, alors je me suis précipitée ici. C'est la deuxième fois que nous croyons apercevoir Zelda. Cela ne peut pas être une Pardon. Cela ne peut pas être une coïncidence. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons rien y faire pour le moment. Dis-moi plutôt, Link, c'est toi qui as fait apparaître ça? Tu as réussi à résoudre l'énigme? Décidément, rien ne t'arrête. Ouais. Si je me souviens bien, l'inscription de la fresque disait « La pierre de foudre apparaît et ouvrira le chemin ». Je devrais peut-être frapper cette pierre de ma foudre. Ouais, d'accord. C'est moi qui dois lancer le machin, quoi. Pouvoir de la foudre de Riju. Riju se bat à présent à vos côtés. Grâce à son pouvoir, elle peut déclencher de puissantes attaques électriques. Et bah les gars, c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés au temple de la foudre. Donc le temple se fera la prochaine fois. Bon, il y avait une sauvegarde juste à l'instant, mais j'ai écrasé mes sauvegardes. Hop! En tout cas, j'espère que cette vidéo de galère vous a plu. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de contenu, mais pour moi, il y a quand même eu Riju, les piliers, il y aura eu le combat, il y aura eu quelques trucs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, un sanctuaire. Ça fait toujours une petite vidéo malgré tout. La prochaine fois, on se retrouvera pour le temple, une grosse vidéo sur le temple. Et entre ça, je pense qu'on va faire une vidéo un peu tout ce qui est sanctuaire et il faut absolument que j'ai plus d'argent pour machin parce que gérer le froid, la chaleur et tout c'est infernal. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça me fera super plaisir. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ciao.